Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine parce que vous le savez, pour toutes celles et ceux qui me suivent, je termine le vendredi avec vous. Eh bien, nous sommes le vendredi 26 avril 2024, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, la petite philosophie du matin... Aujourd'hui, c'est l'enseignement des enfants. Les enfants sont nos professeurs. Ils nous apprennent, nous grandissent, nous renforcent. Voilà la philosophie de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la dame d'air, cette belle dame d'air. Eh bien, c'est la suite d'air, n'est-ce pas, qui représente l'intellect dans le tarot traditionnel. C'est la suite des épées. Elle se concentre sur les nouvelles idées éblouissantes, les choix inspirés et les capacités de communication qui permettent de se rallier tout le monde. Brillante, n'est-ce pas, cette dame d'air. Elle appelle à... L'appel à la conscience, eh bien, elle vous invite à vous rappeler que les gens, eh bien, ils ne sont pas parfaits. Tout le monde n'est pas aussi intelligent que vous. Alors, elle vous invite d'arrêter de les juger. Certains sont aussi intelligents que vous. Ils remarqueront la pique cachée dans vos bons conseils. Le sarcasme peut être amusant, mais un conseil, n'en faites pas trop, n'est-ce pas? Et vous vous croyez très 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 intelligent et certains d'entre vous rabaissent les gens ou rabaisse une personne. Donc, on vous demande de revenir à cette bienveillance, à cette empathie. Parce que ce n'est pas en rabaissant les gens que vous y arriverez. Votre mépris n'est pas loyal, n'est-ce pas? Et soyez un peu dans la gentillesse. Si maintenant ça parle pour un de vous, de votre partenaire ou de votre conjointe, conjoint, il y a des choses à mettre en place. Vous êtes une personne brillante, n'est-ce pas? Vous êtes une personne indépendante. Vous êtes une personne expérimentée qui est vraiment réaliste. Donc, vous êtes aussi dans la spiritualité. Vous êtes forte. Et... S'il vous plaît, encore une fois, ne rabaissez pas les autres. Soyez tolérants. Ça me parle pas que je suis comme ça moi-même, mais il y a eu dans mon entourage des personnes qui étaient ce que je décris ici. Pourquoi pas vous libérer des gens qui ne sont pas dans cette jouvence. C'est peut-être ici quand je vous dis tout cela, c'est peut-être une personne qui est dans votre entourage qui est comme ça. Ce n'est pas
pas personnellement vous, hein. Par contre, pour vous, il faut vous libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus ou qui ne vous aident pas. Il faut aussi peut-être que vous vous concentriez sur votre carrière. Vous pourriez peut-être aussi faire la connaissance d'une personne mariée ou divorcée. Et une relation pourrait s'en écouler. Mais attention, parce qu'il y a des douleurs émotionnelles qui sont enfouies. Et donc, il faudra prendre en considération cela. Que dire de cette carte? Parce que vous êtes... En fait, vous êtes une personne avec beaucoup d'humour. Et votre humour tend vers le sarcasme. Mais votre mauvaise langue aussi épargnera la plupart du temps ceux qui acceptent sagement vos conseils et qui essayent vraiment de changer leur vie. Certains pourront vous trouver peut-être froide ou insensible, mais ils se trompent. Par votre vécu, vous êtes peut-être une personne qui a subi un divorce, une trahison, une perte. Eh bien, toutes ces expériences vous ont rendu prudente. Et vous ne confiez pas à tout le monde ce que vous avez sur le cœur. Et c'est peut-être cela, l'émotionnel de cette dame d'eau, n'est-ce pas? Tout ce qui est eau, c'est relatif aux émotions. Et vous préférez peut-être donner une image puissante et objective. Vous vous êtes mis une carcasse. Et peut-être que cette carcasse vous montre très froide. Hein, en tous les cas, il y a quelque chose de votre vécu qui en ressort. Il y a de toute façon un travail que vous devez faire sur vous. Hein, bien sûr, vous seul le savez. Moi, je ne vis pas votre situation. Donc, dans ce que je vous dis, eh bien, soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre avec vous. Hein. Et il y a un appel à la conscience. Ne pas oublier que les gens, eh bien, ne sont pas parfaits. Voilà. Eh bien, c'est un très, très beau message pour terminer et pour prendre conscience de certaines choses, pour terminer cette semaine. Je termine avec aujourd'hui, je me donne le pouvoir de manifester mes désirs les plus profonds, hein, dans l'affirmation positive. Aujourd'hui, je me donne le pouvoir de manifester mes désirs les plus profonds. Et bien sûr, sur cette belle note, cette belle affirmation positive, je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end dans la bienveillance, l'altruisme, la tolérance, l'amour inconditionnel. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.